بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Exercice numéro 8 sur le cours du prisme droit et le cylindre, niveau première année collégien, Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. Un prisme droit à une base triangulaire et toutes ses arêtes ont la même longueur, 5 cm. Tracez le patron de ce prisme. Comme rappel, le patron d'un prisme, c'est une représentation plane de ce prisme, tel que si on plie les faces de ce prisme, on obtient à nouveau notre solide, c'est-à-dire notre prisme. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Le patron de ce prisme est... Voici notre patron. Les faces latérales sont ces carrés que vous voyez ici. Chacun d'eux a pour côté 5 cm. Donc ces trois carrés représentent les faces latérales. Puis les bases sont des triangles équilatérales puisque chaque arête mesure 5 cm. Donc ce triangle en bleu, c'est la base, c'est-à-dire du haut, et le triangle en bleu que vous voyez en bas, c'est la base qui se trouve en bas de ce prisme. Donc c'est ça notre patron. Maintenant, je vais vous montrer une vidéo qui va nous servir à comprendre ou bien qui fait une petite démonstration sur ce patron, bien sûr. Je vais commencer cette vidéo. Regarde bien. Donc, c'est la même figure de départ qu'on a. Et vous allez voir que si je plie les facettes de ce patron, je vais obtenir le prisme droit à base triangulaire. Donc maintenant j'essaye de plier les faces. Voilà, c'est fait pour la première face rouge, la deuxième face latérale rouge aussi. Voilà, c'est fait. Maintenant je passe à la base du haut. J'ai fait tourner ce prisme pour que vous voyez toutes les facettes. Voilà, maintenant c'est fait pour la face du haut. Maintenant passons à la face du bas. Voilà, maintenant je fais tourner cette facette de 90 degrés et elle me donne finalement le prisme. Donc maintenant, on est convaincu que cette image, c'est bien le patron de ce prisme. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur de la CFF2 du collège Bourzeitoun, Marrakech. À très bientôt.